למען אחי ורעי, אדבר נא, שלום בך, שבוע טוב, אין בל סמן, אין בון סמן, אני השם רופאך, נוסום דן למוה, דולה רפואה שלמה, c'est une רפואה, c'est la guérison, avec l'aide de Dieu, contre cette épidémie qui se démesure dans le monde entier. Ça, c'est la première chose. Toute notre bénédiction et on espère que cette semaine on aura une bonne fête de Brit Mila chez la famille Nakash, Bishah Tova Mutzlachat, et que de ces fêtes-là personnelles de la petite famille Sitrei Chaim, la communauté, on va avoir des grandes fêtes partout et chez tout le monde. Il y a une étude que j'ai enseignée jeudi soir en hébreu. Et mon cher frère Jérémy Guez m'a dit: Rav, j'ai compris un peu entre les lignes, mais il faut répéter ce cours-là obligatoirement en français. Et j'ai accepté parce qu'il est vrai qu'il y a des choses qui ont été enseignées avant la Deuxième Guerre mondiale. Et ces enseignements-là ont une importance très importante aujourd'hui, car nous sommes dans une période très délicate avec beaucoup d'informations qui sont pas toujours claires chez tout le monde. Avant de rentrer dans le texte du Noam Elimelech HaKadosh, dans la paracha Kitazria, Isha Kitazria, qu'on a lu cette semaine, ce Shabbat-là, la semaine dernière, j'ai eu la chance de rencontrer Dr. Drimer. Et comme vous savez, j'ai vraiment une grande chance de l'avoir rencontré parce qu'on peut avoir des échanges intellectuels, philosophiques très élevés. Et la question qui m'a posée était: est-ce que les gens qu'ils sont dans le pouvoir aujourd'hui dans les gouvernements, ou bien les tzadikim, les gens pieux de la génération, est-ce que c'est eux qui font ce qu'ils font, ou bien on peut regarder ça de façon un peu plus élevée? Je l'ai répondu que la vérité est que les êtres humains font les réincarnations Gilgulim dans ce monde-là pendant des milliers d'années, on est décédé, on renaît, on est redécédé. Et ainsi de suite, et les sages disent que tout le peuple qui était en Égypte, qui est sorti d'Égypte, la délivrance d'Égypte, c'est les mêmes 600 000 parties d'une grande âme qui s'appelle les enfants de Jacob, et eux, tous, se réincarnent chaque génération. Tous les non-juifs qui sont attachés à eux dans le cercle extérieur aussi se réincarne avec eux, et c'est comme ça qu'à la fin, un jour viendra le moment de la délivrance totale internationale, et les gens qui seront là sur terre vont accepter et recevoir le mérite de vivre ces moments magnifiques de lumière, etc. Mais comme on rentre de plus en plus aujourd'hui, grâce à Internet, dans les informations qui nous disent qu'il y a des telles personnes qui dirigent ça, il y a un groupe qui s'appelle comme ça, l'autre groupe qui s'appelle comme ça, il y a les gens qui veulent dominer le monde, il y a un groupe et un autre et un autre et un autre. Est-ce que tout ça est vraiment une question qu'on peut dire, voilà, tel est fautif? Ou bien on parle généralement de deux puissances qui existe depuis le début de la création. Et ces deux puissances-là, ce sont deux frères, comme je vous ai donné le cours de Yeheskel, Yehuda et Yosef, les cartésiens et les gens qui sont un peu plus imaginaires, les Bnei Yosef, les indigos, cartésiens indigos, Yosef, Yehuda, etc. Est-ce que eux, ceux qu'on voit en chair et en os, ce sont les gens qui vraiment
font les actions qu'ils font ou non? La réponse, obligatoirement, nous demande de vous donner un peu d'informations primaires, qui sont les informations du début de la création. Au début de la création, avant Bereshit, avant qu'on ait le début de ce monde-là, au début, l'Éternel, la lumière infinie qu'on ne peut pas mesurer en aucune façon, a eu un élèvement de volonté, Kshala Birtsonon, quand la volonté divine s'est élevée au degré de l'abondance. Shiratza l'étiv les brotab. Il a voulu nous donner du bien. Il voulait créer des êtres ou des créations qui soient capables d'accepter de recevoir la bonté divine éternelle. Et pour cela, ce qui s'est passé, c'est que dans l'infini, que nous on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire dans l'infini, puisque c'est l'infini, comment il y a dans l'infini quelque chose, mais la réalité est qu'il y a eu une création d'un point, Nekuda. Il a fait un point, un espace libre, et dans cet espace temporel limité par les mesures, il a rentré sa lumière. Et cette lumière-là, on peut comprendre, voulait avec toute force rejoindre la lumière de l'infini. C'est compréhensible. C'est comme un père qui envoie son fils dans le champ. Le fils, dès qu'il se réveille du choc, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut retourner chez son père. Donc le premier fils était ce qu'on appelle aujourd'hui Adam Blial. C'était un homme qui n'avait aucune obligation. C'était une création qui a été faite d'amour total, sans aucune limite. Et cette création, comme elle était immense, beaucoup plus grande que les anges, que les démons, a eu un moment de ressenti que elle est le créateur de cet espace. On peut comprendre ça. Un nouveau riche, un enfant qui a étudié dans les universités et tout, il arrive dans une usine, il y a 1000 employés, et tout d'un coup, un jeune de 30 ans, le vieux chef de l'usine dit, voilà le nouveau chef, acceptez-le. Pas tout le monde accepte, parce qu'il ne comprend pas, il ne connaît pas le mécanisme, il ne connaît pas les employés, il n'a pas été dans le début des choses, et c'est pour ça qu'il y a énormément de nouveaux riches qui deviennent pauvres, vraiment pauvres. Ils perdent tout leur argent. De quoi? C'est pas leur argent, c'est l'argent qu'ils ont hérité de leur père. Mais pourquoi ils le font? Parce qu'ils n'ont pas de rôle, ils n'ont pas le... Le hall, c'est le poids lourd de la responsabilité de donner du travail à 1000 familles. Ils ne comprennent pas ça, eux. Ils viennent, tout marche, tout est arrangé comme il faut. Ils veulent seulement profiter. Et on peut comprendre ça. Donc lui, le premier, a pris beaucoup de lumière. Et comme Dieu a vu ce qui s'est passé, ça s'appelle Shbirat HaKelim, les récipients n'ont pas réussi à retenir cette abondance extraordinaire sans fin. Dieu a vu que ça va bientôt dans un trou noir, qu'on ne pourra plus récupérer les lumières. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré ses lumières. Et malheureusement, ou heureusement, sinon on ne serait pas là, malheureusement, le roi pleurait parce que il a eu quelques lumières qui sont restées, on va dire, en otage dans l'espace qui s'appelle l'univers, que pour nous est l'espace obscur. Et vous voyez que dans cet espace obscur, malgré l'obscurité très forte, nous avons quand même des galaxies, il y a des soleils, il y a des étoiles, tout cela reçoivent leur lumière de quelque part.
ils reçoivent la lumière. Quand on étudie le Sefer Yetzirah, ça s'appelle Olam, la lumière de l'infini qui n'arrête pas de nous illuminer intérieurement, dans l'espace, qui s'appelle l'univers. On a l'univers qui s'appelle Shana, et on a le petit monde qui s'appelle Terre, avec les gens dans la Terre, microcosmos, macrocosmos, tout cela, ça s'appelle Nefesh, vitalité. Et le premier homme, cet homme-là, qui s'appelle Adam Blial, qui est écrit dans le Zohar, Tikkun Zohar, dans les livres de Kabbalah, qui s'appelle aussi l'électricité, qui est l'électricité artificielle, comme celle-là qu'on utilise nous, pour à cette heure-là être réveillé encore et donner cours. Merci mon Dieu. Et lui, ce qu'il veut, c'est rayonner le monde. Et vraiment, le Ari HaKadosh dit que cet espace-là qui est l'univers, c'est son espace. Il n'y a aucun problème. Et le grand roi, c'est juste pour nous donner une image, hein, c'est pas la vérité concrète, mais le grand roi pleurait. Il était triste qu'il a perdu dans les mains de son premier fils de la lumière, des étincelles de lumière, qui s'appellent les lumières de l'infini, qui sont les lumières qu'on va, nous, chercher dans le noir obscur, que toutes les lumières de toutes les étoiles, tous, sont dirigées vers notre Terre. Et nous, ici, dans la Terre, on doit récolter ces petites lumières et les renvoyer vers l'infini pour recréer l'image de l'homme-lumière. Et il a attendu 10 générations du premier homme jusqu'à Noé, encore 10 générations de Noé jusqu'à Abraham. Et Abraham, notre patriarche, premier patriarche, lui, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Tout va bien. Et lui, Noé, et Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il est né dans la période de la tour de Babylone, après la tour de Babylone, et il y avait là-bas un grand leader qui s'appelait Nimrod. Et ce leader-là avait l'habit du premier homme. Il était habillé d'un habit, et comme il avait cet habit-là, il avait une puissance de créateur. Ça veut dire qu'il pouvait créer la pluie, il pouvait faire la sécheresse, il avait des puissances énormes. Et Abraham est né dans une période que les sages, les astrologues de la période ont dit à Nimrod, chez ton ministre de l'idolâtrie, qui a été le père d'Abraham, Terach, est né une étoile illuminante qui va t'effacer du monde. Nimrod, il a dit à Terach, comme ça, chez toi, tu as un enfant comme ça, tout de suite, tue-le. Terach était obéissant, sauf qu'il avait un sentiment spécial pour cet enfant qui s'appelait Abraham. Et Abraham avait un autre frère, qu'on ne connaît pas son nom. Et Terach, le père d'Abraham, a donné ce fils-là au soldat de Nimrod. Et Abraham, il l'a mis dans une grotte. Un petit enfant dans une grotte. Et dans cette grotte-là, il avait du temps pour penser. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à beaucoup, beaucoup de raisonnements que jusqu'à aujourd'hui, on a besoin, on utilise ça, c'est les bases de la sagesse de lumière. Lui, Abraham, a vu nous, il a cherché le Dieu. Il voulait comprendre, étant enfant, qui est le roi de la galaxie? Qui est le roi de l'univers? Qui est au-delà de tout. Et cette envie qu'il a eue était vraie. Son cœur était fidèle. Et c'est là que Dieu a dit, enfin est née une âme qui va être tellement fidèle, qui passera même par la mort pour me ramener
mes lumières perdues de l'action du premier homme, qui s'appelle Adam Bléal. Et le deuxième homme, que nous on appelle Adam Rishon, ça s'appelle le deuxième homme. Et la première Chava et la deuxième Chava. Et Abraham Avinu était à l'image du deuxième homme. Et Yaakov avait l'image du deuxième homme. Et Yosef était à l'image. Et c'est comme ça que nous avons des générations entières d'êtres humains qui sont à l'image de la volonté d'être les serviteurs du divin. Et nous avons des êtres humains, la majorité, qui sont à l'image du premier homme, qui veulent dominer le monde normal. Ils ont en héritage la volonté d'être les leaders et les dominateurs du monde. Et même quand on parle de ces groupes-là, très secrets, etc., je ne veux même pas réciter leurs noms, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des groupes de génération en génération. Ça veut dire que ce ne sont pas des nouvelles personnes. Ce sont des groupes que leur intelligence passe de génération en génération. Ça veut dire que ce ne sont pas les êtres humains qui aujourd'hui sont une partie d'un groupe qui fait une certaine force sur l'humanité, mais cette force-là passe de génération en génération. Et c'est pour cela que j'ai dit à mon cher frère Dr. Dreamer, je lui ai dit, on ne peut pas parler des êtres humains. Si on est vraiment à la hauteur de la lumière, ce ne sont pas les êtres humains, ce ne sont pas les noms, le nom, le prénom de telle famille, de telle personne. Non, pas du tout. Même les gens qui ont les plus grandes puissances économiques sur Terre, quand la montre biologique s'arrête, ils s'en vont. Est-ce que ça veut dire que quand le fondateur, par exemple, de Apple est décédé, est-ce que ça veut dire que la compagnie Apple arrête? Non, c'est juste que lui, il est décédé, et puis maintenant, ça continue. Ça continue en génération, avec l'aide de Dieu, jusqu'à la venue de Mashiach Tzidkenu, et que toutes ces technologies nous aident à comprendre que oui, c'est possible que le monde entier va être informé de cette délivrance du monde par la lumière de l'infini. Amen. Et comme Abraham Avinu a eu 10 essais très très durs, et dans les essais qu'il a eu, des épreuves qu'Abraham Avinu a eu, il a eu 10 épreuves. La dernière épreuve était qu'il devait égorger son fils Yitzhak, qu'il a tellement aimé, qu'il a élevé 37 ans, qu'il a tout donné pour lui. Et égorger Yitzhak était une épreuve qui devait montrer qu'Abraham Avinu n'est pas le serviteur de Dieu, ni par la pensée et ni par le sentiment. Essayez de chercher en vous des outils de vie qui ne sont ni nos pensées ni nos sentiments. Je pense que personne ne peut trouver quelque chose qui est ni la pensée ni le sentiment. Bon, peut-être pas personne, mais presque personne. On est tous, les cartésiens pensent ou fonctionnent par la pensée, les indigos fonctionnent par le sentiment. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au-delà de ça, il y a le troisième cerveau qui est la lumière verticale, ce qu'on étudie ensemble, tout va bien. Et maintenant, lui, Abraham Avinu, est sur le mont Moria, qui est Jérusalem aujourd'hui. Il est exactement l'autel qu'il a fait pour égorger son fils et brûler, exactement sur l'endroit où étaient les tables de la Torah, les tableaux de la Torah qu'a reçu Moshe Rabbeinu, qui ont disparu depuis, ils ont été cachés, et il y a beaucoup de gens qui les cherchent, ça fait des générations aussi. Et lui, Abraham Avinu, Dieu lui dit, égorge ton fils.
Et la vérité, malgré qu'il y en a qui disent qu'il n'a pas égorgé, oui, il a égorgé, le Zohar Kadosh le dit, tous les livres profonds le disent. Et non seulement qu'il a égorgé, il a pris un bélier, et il a égorgé aussi un bélier. Et maintenant, imaginez-vous, un être humain comme nous, de chair et d'os, qui a vécu une vie, il avait un âge, il avait deux femmes, il avait des enfants, quelqu'un qui a vécu, qui a acheté Maharat HaMakhpela, Hebron, où mon âme est attirée comme un aimant, là-bas c'est la tombe du premier homme et sa femme, d'Avram et Sarah, de Yitzhak et Rivka, et Yaakov et Léa. C'est l'endroit divin, et à la tête des Sars aussi. Et il y a aussi le Ramban là-bas. C'est à Hebron, vous connaissez tous, à côté de Jérusalem. Et Avraham Avinu ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. La dernière épreuve qu'Avraham Avinu a eue était que Dieu voulait voir qu'est-ce qui va sortir de cet être humain de chair et d'os. Comment il va exprimer sa douleur et sa joie ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire la douleur et la joie ensemble? D'un côté, il a eu la douleur de tuer le fils tellement, tellement voulu, le fils promis par Dieu, le fils qui devait l'hériter. Toute sa vie était basée sur ce fils. Le fils de Sarah Aimeno, qu'il aimait tellement. Et d'un autre côté, la joie de se lever tôt le matin, aller prendre le fils de Sarah, de la maison de Sarah, parce qu'ils ne vivaient plus ensemble. Lui, il habitait avec Agar à Beersheba et Sarah habitait à Hebron. Prendre le fils, ne rien dire, et hop, vite, aller à la montagne du Moria, à la montagne du Jérusalem, pour vite, faire la volonté divine, comme il l'a fait 9 fois avant. Mais un moment après, que voilà, il a en face de lui la fumée qui monte de son fils, la cendre, qui peut voir ça, qui peut supporter ça. Mais d'un autre côté, Dieu qui parle avec lui, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Comment il le vit? Et malgré ça, Dieu lui promet, t'inquiète pas, tu auras une descendance de lui. Comment c'est possible? Un homme pas marié, pas d'enfant, et il est brûlé. Comment il y a une descendance? Et qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Il a pris le chauffard. Et depuis, cette corne a une importance symbolique et électromagnétique incroyable chez le peuple juif, mais je suis sûr qu'encore d'autres peuples utilisent. Et il devait exprimer d'un côté la joie, mais on ne peut même pas comprendre c'est quoi, comment Dieu se dévoile à quelqu'un, on ne peut pas comprendre ça. Ça emmène la personne à un autre rythme de vie, à une autre fréquence d'existence. Et d'un autre côté, oui, mon fils, ma chair et mes os, celui qui doit hériter tout ce que j'ai fait, brûle de mes mains. Qu'est-ce qu'il a fait? S'il pleure, il va démontrer que par les larmes et le sentiment, il n'était pas content de oui, entendre et obéir à la voix divine. Et s'il va être heureux, il va chanter. C'est quelqu'un de pas normal. Tu brûles ton fils et tu chantes, ça va pas à la tête. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la corne du bélier et il a fait un souffle. Avraham Avinu était le premier qui a compris que l'air divin qui pénètre dans l'être humain est le message qui peut assembler la pensée divine, je ne sais même pas comment dire ça, mais la force divine dans un corps humain. Puisque nous, on ne peut pas comprendre.
Comment on a une âme? Cette âme-là, c'est une fréquence divine, c'est de la lumière de l'infini. Comment elle arrive à rentrer dans ce physique? Elle rentre par l'air, avir, or, yud. Et elle pénètre dans notre corps et le sang circule et donne de la nourriture à toutes les cellules de cette lumière divine. On peut le dire, mais est-ce qu'on peut le vivre? Mais il y a des moments dans la vie, comme aujourd'hui, comme pendant cette période-là, que se passent des choses incompréhensibles. Même les gens qui sont à la tête de tout ça, je ne suis pas sûr que vraiment ils ont un plan, comment dire ça, un vrai plan. Je pense que même dans leur plan, il y a beaucoup de fautes et beaucoup de choses qui ne marchent pas exactement comme ils veulent. Pourquoi? Parce que ça, c'est un plan d'être humain qui finissent par mourir. Ils sont nés, ils vont mourir. Mais le plan divin commence à l'infini, finira dans l'infini, dans la lumière de l'infini. Donc, le souffle qui va sortir de l'être humain qui s'appelle Avraham Avinu sera exactement ce qu'il doit rendre vers les cieux. Et on dit qu'il y a trois souffles. Je vais les souffler. Le premier est long. Ça s'appelle Tkia, Zaaka. Quand quelqu'un crie, il fait Aaah! Un cri long, 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 long. Cette nuit à minuit et demi à peu près, si vous aurez la force d'être réveillé, j'espère que j'aurai la force, je vais aller sur la tombe de notre cher Tzadik, Mordechai Ben Yosef Roulani, pour prier pour nous tous, pour tous ceux-là qui sont les fidèles de Sitrei Chaim, toute l'équipe Sitrei Chaim, toute la famille Sitrei Chaim et tous les gens dans le monde qui nous suivent. C'est vraiment émouvant et en retour, ce que je peux vous redonner comme amour, c'est prier pour vous sur ce moment, sur cet endroit divin, de lumière divine, extraordinaire. Donc on a le premier souffle qui est le cri. Le deuxième souffle, c'est trois sons qui sont Yevava. Et le troisième souffle est quoi? Pleurer. Qui sont beaucoup, beaucoup de souffle, de sons. Quand le Satan, quand l'enfant méchant, quand le mal a entendu ça, lui, il a nommé Avraham Avinu le roi. Parce que lui, le Satan, comme on appelle les forces d'obscurité, il ne faut pas oublier une chose. Eux aussi sont conscients de la présence divine. Eux aussi savent que Dieu existe, que Dieu est roi. Ils savent ça. Sauf qu'ils ont une tendance de vouloir, eux, posséder le monde. Et Abraham Avinu, que pendant 137 ans, a dit au monde entier l'existence, il a dévoilé l'existence divine sur le monde, a fait exactement ce qu'il a dit qui est interdit pendant 130 ans. Il a égorgé son premier-né et il a brûlé. Et maintenant, il doit revenir chez Sarah. Tout le monde connaît l'histoire que Sarah, vite, vite, le mauvais, l'ange, le Satan, est allé lui montrer que Abraham a égorgé son fils, donc elle est morte tout de suite. Et Abraham est parti pleurer sa femme, sa chère femme. Et lui, il savait, parce qu'il a entendu le commandement divin, il savait qu'il allait avoir des enfants de lui, mais il ne savait pas comment ça allait se passer. Et la preuve est qu'après, Yitzhak est revenu, il s'est marié avec Rivka, lui aussi, il a eu deux enfants, il a eu Esav et Yaakov, et Yaakov aussi a eu Joseph et les autres tribus,
Et Joseph aussi, il avait Ephraim et Ménaché. Et comme ça, de suite, ensuite, ensuite, nous avons toujours deux. Deux qui sont en équilibre. Et le problème de tous les parents sur terre, et on le connaît bien, est de faire la paix entre les cartésiens et les indigos. C'est un problème qu'il faut résoudre, non pas par la logique, parce que les indigos, leur logique ne fonctionne pas comme les cartésiens, et non pas par les sentiments, parce que le sentiment, les cartésiens ne comprennent pas tellement les règles du sentiment, mais il faut le résoudre par la lumière du milieu qui s'appelle Shalom, par la paix. Et ce Shabbat-là, chacun des gendres que j'ai, des enfants, ont parlé, et le directeur des instituts Strechaim, le Rav Alexander Kahana, nous a dévoilé quelque chose de magnifique. Il nous a dit que la Gimatria, c'est les chiffres qui représentent les lettres de Shalom, et 376, et Rav Yosef Chai, c'est aussi 376. Je suis content que mon Rechaim Zatzal, mon Rav, c'est lui qui m'a donné le nom Yosef Chai. Et après, Baruch HaShem, Rav Yosef Chai, d'être un rabbin, d'être un berger, mais être un berger de quoi? D'être un berger de messages de paix. Et c'est tout ce qu'on veut. On ne veut ni être plus haut, ni être existant. Rien, on ne veut rien du tout. On veut juste une chose. Essayer, dans cette génération, créer des petites familles, des petites organisations de paix, qu'il y ait la paix entre les cartésiens et les indigos. Et je sais, sans aucun doute, que chaque maison qui a eu la chance d'entrer, de faire entrer l'étude de la lumière de Sitrei Chaim, a eu la chance aussi de comprendre que la paix doit être roi, parce que Shalom est le nom de Dieu. Et j'ai eu la chance aussi que mon grand-père de Djerba, le grand-père Cohen Abrich, son nom, son prénom était Shalom, 376, qui est Baruch HaShem, le nom divin. Et quand on a étudié le nom Melech HaKadosh, qui, lui, a existé avant la Deuxième Guerre mondiale, et il faut comprendre que dans l'évolution du monde, des êtres humains, en 1939, on a eu le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, qui était juste une réaction de la Première Guerre mondiale. Et dans cette Deuxième Guerre mondiale, le leader du monde, Adolf Hitler, avec tout son groupe, a tout filmé. Ça veut dire que ce monsieur a compris qui représentait, vous comprenez tout seul, le mal, a compris que la transmission électromagnétique, c'est elle qui va créer dans le futur la programmation du cerveau humain. Si vous savez combien de choses génies il a mis sur terre, qu'aujourd'hui le monde moderne électromagnétique suit à la ligne exactement son génie, c'est frappant et choquant. Sauf que nous, on a vu seulement des petits extraits des horreurs qui se sont passées, et il y en a qui disent que tout ça a été fait à Hollywood par Charlie Chaplin, qui était à la même période, qui a fait des films contre Hitler. Et à son époque, c'était les informations. Comme aujourd'hui, on est assis dans notre fauteuil, on voit la télé et on nous montre comment en Syrie on bombarde des villages innocents. Il y a plus qu'un million de morts déjà en Syrie. Personne ne dit rien du tout. Tous les mondes, toutes les armées bombardent la population et tout va bien. Personne ne se révolte, personne ne dit rien du tout.
C'était comme ça aussi. On sait qu'il y avait les talibans. Là-bas aussi, il y a eu la même chose. On a des histoires comme ça, la guerre de l'Irak. On a eu aussi des images d'horreur. Chaque fois qu'en Israël, un terroriste bombarde quelque chose ou tue quelqu'un, on a aussi les mêmes images d'horreur. Et on a, en parallèle, les forces de télé et les forces de cinéma qui nous font des films et qui habituent notre cerveau à voir des horreurs épouvantables. C'est démocratique de montrer ça dans les chaînes de télévision. Les enfants, ils vont pas dormir la nuit. Ils vont voir des choses. Personne ne sait qu'est-ce qu'ils voient. Personne contrôle les informations qu'ils ont. Et malheureusement, ça va très très loin. Et le nom Elimelech HaKadosh dit que des fois, l'être humain ne peut pas sans arrêt étudier la Torah. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que si on étudie sans arrêt, la lumière est trop forte. Et si on exagère avec cette lumière, eh bien à la fin, on peut mourir malheureusement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire des fois ? Il faut distraire. Se distraire veut dire parler avec les autres. Daga Belevich Sechena. Je veux avoir des échanges intellectuels, informatiques, professionnels. On parle, on se parle. Des fois on travaille, on est concentré. Des fois on doit se parler. Et il dit que des fois il faut parler avec des autres pour arrêter le rythme de l'ennui. Ça veut dire qu'une personne commence à s'ennuyer. Au début, elle a des pensées qu'elle pense qu'elle dirige. Et puis après, les pensées qu'elle dirige, d'autres pensées extérieures qui sont des squatteurs envahissent l'espace-temps de leur cerveau et prennent la personne, on prend la vitalité de la personne et l'emmène dans des champs très éloignés. Et des fois, la personne, malheureusement, ce que je vous dis, ce sont la majorité des maladies mentales, maladies spirituelles, la personne n'arrive plus, la pauvre, de revenir des champs extérieurs que les pensées l'ont pris là-bas. C'est vraiment, et dans la Mishnah, il est écrit dans Maseret Iruvin, c'est une Maseret après Shabbat, et là-bas il est écrit vraiment qu'il y a des fois à Shabbat qu'une personne boit de l'alcool et un esprit, même le nom de cet esprit, prend la personne et la fait sortir du Troum Shabbat. Troum Shabbat, c'est l'espace de Shabbat, elle la fait sortir à l'extérieur, contre sa volonté. Et dès qu'elle se réveille du vin, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle peut revenir chez elle à la maison? Ou bien elle doit rester jusqu'à la fin de Shabbat dans cet espace-temps nouveau extérieur qui est étrange. Et quand la personne, malheureusement, a été volée de son espace-temps, de sa conscience, de sa liberté de penser, comme aujourd'hui beaucoup de gens ne pensaient pas qu'après cette virus, je dirais artificiel même. Écoutez le professeur Raoul de Marseille, qu'est-ce qu'il dit de ça? Mais moi, je ne rentre pas maintenant dans le débat. Sauf que ce que je veux faire, moi, c'est vous expliquer et vous donner la force et les outils de vous connecter à ce moment-là, à cette période-là de l'humanité, au Fils qui aime Dieu, le Fils fidèle. Avraham Avinu, c'était le fils fidèle. Av Goïm, c'était le père, c'était un patriarche d'une nouvelle pensée dans le monde, d'une nouvelle façon de réaliser, de comprendre, de vouloir à la fois vivre ce monde physique pour faire quoi? Pour attraper des étincelles tout petits, minuscules de lumière et les ramener vers le divin. Dans ma Masechet Kiddushin, Perek Aleph, Mishnah Yud, dans une Masechet qui est dans la Mishnah Kiddushin, il est écrit comme ça.
que si une personne est venue dans ce monde et a fait une bonne action, la personne a rempli sa mission sur monde, sur cette terre. Vous comprenez? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur terre qui n'a jamais fait une bonne action? Ça n'existe pas. Donc tout le temps, on doit expliquer aux gens que les gens sont bons, les gens sont gentils, les gens découlent de la lumière de l'infini qui est de la bonté sans fin. Et non pas, malheureusement, voler l'esprit des gens et leur faire rentrer dans la tête qu'ils sont coupables, qu'ils ont de la culpabilité, qu'ils sont des gens méchants, qui doivent être punis, qui doivent tout le temps regretter. Et si vous avez bien entendu ce que je vous dis, ces quelques secondes, vous pouvez voir l'image aujourd'hui de l'humanité après la Deuxième Guerre mondiale. Toutes les religions se sont réveillées pour faire quoi? Pour martyriser les êtres humains de l'époque qui ont vécu ces horreurs-là et n'ont rien fait. Et cette façon de faire tchouva, tout le temps par le regret, et tout le temps t'es méchant, et tout le temps tu fais du mal, et tout le temps tu dois te regretter, et tout le temps tu dois payer pour toutes les mauvaises choses que tu as fait, ce n'est pas la façon d'Abraham Avinu. Abraham Avinu était l'homme de lumière, d'amour. Quand son beau-frère, quand son neveu, il avait un débat avec lui, Lot, il a dit, prends, choisis-toi tout ce qui est riche, tout ce qui est bien. Et Lot est parti à Sodom, dans une ville comme il faut. Et Abraham Avinu restait comme un bédouin dans le désert. Et après, il a entendu qu'il y a des rois qui ont pris en otage Sodom. Il est parti faire la guerre contre les rois pour délivrer son fils, son beau-fils. Et à la fin, il ne pouvait plus le protéger. Parce que Sodom était trop dans le mal, trop. C'était plus possible de délivrer ça. Et malgré ça, les anges qui sont venus voir Abraham, ils ont délivré Lot et ses deux filles, et sa femme qui est devenue du sel. Et tout ce qu'il y a aujourd'hui à côté du Hamamelach, Sodom, c'est rien que de la poudre blanche. Et après cela, lui, Lot, a eu deux petits-fils, et de Moab, on a eu Ruth Amoavia qui s'est remis en alliance avec Abraham Avinu et on a la descendance du roi David qui sera Melech HaMashiach Bezrat Hashem. Alors il dit ici, Shebechozot Tzarich, Shelo Yotan Dvarin, il dit le nom Melech, vous savez que même les paroles qu'on peut dire des paroles inutiles doivent être des paroles avec un sens. Et quel est le sens? Il doit dire Dvarim Shelira ou Moussar. On doit parler de moralité, de bonne conduite, de bonne midot, comme faisaient nos parents et comme nous on doit faire avec nos enfants. Et il dit, avec ces paroles-là de midot, il y a le réveil. Écoutez bien ce qu'il est écrit. Shemitorer orot elyonim bediburim ele. Quand une personne parle de bonnes choses, de bonnes pensées, connecter la personne à l'infini, à la lumière de l'infini, ces paroles-là, ce sont des lumières minuscules qui passent entre l'être humain à son frère ou à celui qui parle avec lui, et ces petites lumières réveille, mit horaire, réveille dans les cieux, dans l'infini, des grandes lumières. Et c'est comme ça qu'en effet, nous sommes ici dans ce monde des petits générateurs, des petits déclencheurs, avec des petites lumières minuscules de bonté. Sachez que des fois, avec une bonne parole, vous pouvez changer la vie d'une personne. Une bonne parole. Avec un câlin, imaginez-vous, une bonne parole. Alors si on dit 10, si on dit 100 paroles, et regardez les gens qui atteignent un certain âge, qu'aujourd'hui on nous a dit, isolez-les, éloignez-les de vous,
qu'on ne vous entendait pas les bonnes paroles. Quelles paroles ils ont? Même s'ils étaient durs dans leur jeunesse, ils deviennent doux, ils deviennent soft. Pourquoi? Parce que maintenant, ils ont compris. Le but sur Terre est de réveiller les grandes lumières de l'infini. Comment? Avec des petites, petites lumières. Et moi, je dis que un photon, que c'est presque impossible de mesurer, mais un photon, imaginez-vous combien de photons il y a autour de nous, mais un photon qu'on reconnecte à la source, c'est une joie qui réveille les lumières de l'infini. Oui, on est connecté à cette lumière. Oui, nous avons le droit de nous connecter à elle. Oui, cette lumière, c'est la joie. Cette lumière, c'est la richesse. Cette lumière, c'est la guérison. Oui, et oui, et oui. Et oui, la thérapie lumière. Et oui, l'amour lumière. Oui, pourquoi? Parce que nous sommes les descendants d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef. Nous sommes les descendants. Et à la fin, c'est quoi Mashiach? Mashiach, c'est quand les cartésiens et les indigos, le roi de Yosef, Melech HaMashiach, Mashiach ben Yosef, le Messie, le fils de Yosef, sera un indigo, et le fils de Mashiach ben David sera un cartésien. Et un jour, il y aura une grande guerre, et l'indigo va être assassiné. Et là, le cartésien comprendra combien j'ai besoin de mon frère pour régner sur le monde. Je ne peux pas tout seul. Il se réveillera à la dernière guerre pour revivre, pour redonner la vie à son frère indigo. Et là, enfin, on va avoir comme Moshe et Aaron, l'indigo et le cartésien qui ne pouvaient pas se séparer. Et la Torah, une fois, elle dit Moshe et Aaron, une fois, elle dit Aaron et Moshe. Pourquoi? Parce que le cartésien Aaron et l'indigo Moshe n'avaient pas le droit de se séparer. Et ce n'est pas seulement deux, il y en a trois. Il y avait Myriam et Nevia, il y avait leur sœur Myriam. Trois cerveaux, le cerveau droit, gauche et le cerveau du milieu. Qui est le cerveau du milieu? La femme. Notre femme, on a tous autour de nous une femme. Notre mère, notre femme, notre fille, notre sœur, notre grand-mère, notre tante. Elles sont l'équilibre. Il faut lever la tête de l'être bestial et regarder la chance qu'on a d'avoir à côté de nous le point du milieu, l'être du milieu. Et oui, chacun de nous, dit le Zohar HaKadosh, on peut réveiller le Messie chez nous à la maison. Et c'est quoi réveiller ça? La présence divine, la Geoula, c'est quoi? La Geoula, dit le Zohar HaKadosh, c'est l'Achdout, c'est l'union qu'il y a entre eux. Yehuda et Yosef. Et à la fin, Malchut David Amelech. Et à la fin, on aura le Messie, le roi David, qui viendra bientôt, qui va se dévoiler entre nous, avec nous, pour nous donner de la force. Et on vivra, et on sera de chair et de os. Et qu'est-ce qu'on fera? On aura une autre conscience. On va comprendre que le but que Dieu a créé ce monde, et que les êtres humains, les créations de Dieu, soient les conducteurs de sa lumière de bonté divine sur terre. Et le Rambam, le Maïmoni, je vous ai déjà dit, dit à la fin, dans Ilchot Melachim Perek Yud Bet, il dit que Ish tachat gafno vetachat enato, chacun sera assis en dessous de la vigne et en dessous des figues. Ce sont des images. Pourquoi? En paix. Et le monde entier viendra chercher dans la source de la lumière, la lumière. Comme il y avait au moment du roi Salomon, et comme il y avait pendant que le peuple d'Israël était dans le désert 40 ans, les rois du monde entier venaient voir mon cher Abbé, nous pour étudier cette lumière magnifique. Et oui, et le seul but pour lequel Dieu a dévoilé la lumière sur terre, c'est pas seulement pour le peuple juif,
Mais il est écrit « Ichochmatrem vebinatrem l'enéamim » C'est pour que, oui, on diffuse cette lumière dans les peuples entiers parce que eux aussi veulent cette connexion de lumière verticale vers le divin. Vous comprenez qu'est-ce qu'il dit le nom Melimelech HaKadosh ? Il dit que quand tu n'étudies pas la Torah, c'est pas que tu as arrêté de vivre, au contraire. Maintenant, les lumières de Torah que tu as dans ta bouche, qui sont connectées au divin, vont se diffuser comme des petits photons. Et tu dois prier qu'un photon arrive à se connecter à une personne pour créer un sourire sur le visage de son prochain, vous comprenez? C'est incroyable. Si on se connecterait à ces sagesses, à cette puissance d'amour de Zohar HaKadosh, de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous a dit, et bientôt la Hiloula. Dans 16 jours, exactement la Hiloula. Et j'espère que jusqu'à la Hiloula, on aura la chance et la joie et la liberté fiscale, ou je ne sais pas comment on dit ça, de la loi, la liberté de la loi de faire une grande Hiloula. Tous ensemble, vous allez voir que le cœur des gens va exploser de joie avec cette flamme immense de Rabbi Shimon Bar Yochai, que ça fait des générations qui illumine le cœur des gens partout dans le monde. Et vous savez que lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il a dit? Israël, je prends sur moi toutes vos fautes jusque quand que se dévoile le Messie. J'ai la force, moi, de prendre sur moi tout ça. Vous comprenez qui était Rabbi Shimon Bar Yochai? Et il a dit, je prends sur moi, vous inquiétez pas, occupez-vous des bonnes choses. Les mauvaises choses, je m'occupe moi-même. Et j'espère que lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est la grande lumière, va avec l'aide de Dieu nous donner la force que cette virus spirituel, électromagnétique, etc. soit abattu par nombreuses personnes dans le monde qui se joignent à sa sagesse qui s'appelle la sagesse du secret de la lumière. Et quand tous ensemble, chacun chez lui, on va allumer une petite bougie, une grande lumière va monter dans les cieux et une grande délivrance va se déclencher dans l'histoire de l'humanité. Je vous aime tous beaucoup, très fort. Je vais aller sur la tombe de mon grand maître, la grande lumière, Mori Chaim Ben Yosef Choulin Izatzoukal. Priez pour nous tous. Là-bas, on voit vraiment des images qu'on a déjà diffusées. Ce sont des vraies images de lumière. Et il m'a promis, quand tu viendras sur ma tombe, tu verras des lumières que personne n'a jamais vues. Et on a eu la chance que les appareils électromagnétiques sont capables de les filmer et diffuser et prier pour nous tous et pour vous tous. Que très bientôt, on soit sorti de cette chose, de cette épidémie, sain et sauf, fort, de nouvelles bonnes midot, et qu'on n'oublie pas tout de suite par le rythme de la vie, que le plus important est aimer sa femme, honorer ses parents, éduquer ses enfants. Baruch Adonai l'Olam. Amen, amen. Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.